Aujourd'hui, l'équipe de la clinique de l'Empereur vous propose une petite vidéo sur comment couper les griffes d'un chat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent le faire à la maison, donc pour ça, idéalement, il faut surtout habituer le chaton quand il est petit, parce que plus vous le familiarisez avec la coupe de griffes, plus ça sera facile une fois qu'il sera adulte. Donc pour cela, il vous faudra, alors je vous montre quand même les coupes griffes, attention, ça c'est les coupes griffes pour chien, à ne pas confondre avec ceux pour chat, vous voyez, ils sont beaucoup plus petits. Hop, donc je vais prendre celui-ci et on va vous montrer sur une masse. Donc idéalement aussi, si vous pouvez vous faire aider, bien sûr, c'est plus facile. N'hésitez pas à gratouiller surtout le petit chat pour l'essayer de le détendre. Et en fait, toute la technique, c'est d'essayer de sortir la griffe en appuyant. Vous savez que les griffes des chats sont rétractiles. Donc il faut juste faire ce petit mouvement-là pour bien avoir l'intégralité de la griffe. Et on coupe, bien sûr, la partie transparente. Il ne faut pas du tout couper là où c'est rose. Donc pour ceci, hop, vous avez jusque là pour couper. Voilà. C'est bien. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on pourra vous y répondre sur la page Facebook. Voilà, bonne journée.